Le 15 février prochain, Super Nanny est de retour pour les 10 ans de l'émission sur TFX. Sylvie Genali, la nounou qui incarne l'émission, s'est confiée ce 10 février sur son absence et au sujet de son salaire. Super Nanny avait été lancée il y a 18 ans sur M6. Dans sa nouvelle émission, des parents débordés faisaient appel à une professionnelle de l'éducation pour leur venir en aide dans des situations extrêmes où leurs enfants étaient devenus ingérables. Toutes les semaines, le programme de télé-réalité faisait les belles heures de la chaîne privée. Les téléspectateurs adoraient détester cette ancienne gouvernante incarnée par l'inoubliable Cathy Sarahi qui venait imposer des règles de vie à des jeunes gens dépassés. Cette histoire a duré jusqu'en 2010, année de disparition de la personnalité. De son vrai nom Kalsoum Sayi, la coach parentale, est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 47 ans, laissant trois enfants derrière elle. Super Nanny revient pour les 10 ans du programme aujourd'hui, l'émission continue d'exister mais elle a changé de chaîne et d'interprète. En 2013, c'est Sylvie Genali qui a pris le difficile relais, passant de NT1 à TF1 pour finir aujourd'hui sur TFX. Après avoir été longtemps gouvernante d'enfants, elle est devenue à son tour l'héroïne du programme de télévision. Alors que l'émission avait cessé de proposer des inédits, elle revient en prime et en exclusivité le mercredi 15 février prochain. L'occasion pour sa personnalité phare d'évoquer son expérience professionnelle et télévisuelle. Invitée de Sud Radio ce 10 février, Sylvie Genali est d'abord revenue sur son absence de plus de 2 années. Sylvie Genali est partie 2 ans pour travailler pour une famille présidentielle. Il y a eu une pause, d'un commun accord entre moi et TF1, qui s'est prolongée parce que j'avais justement retrouvé mon métier de gouvernante. Je suis parti 2 ans en Afrique pour travailler pour une famille présidentielle d'un pays africain et là j'ai arrêté au mois de juin. J'ai décidé de prendre ma retraite de gouvernante, a-t-elle expliqué. Super Nanny a ensuite dévoilé quel salaire elle pouvait obtenir avec son travail. Oui, ça apporte un certain confort financier. Tout dépend, mais ça peut aller de 3000 euros à 5000, 6000 euros, affirme Sylvie Genali. À lire aussi, Sylvie Genali de Super Nanny rend un bel hommage à l'animatrice iconique de l'émission, Cathy Sarahi.